Contre Ward. Vu que ça mène. Dix plus. 26. Et le but! Pour Kevin Veilleux. Veilleux. Belle montée. Coupe par la plaisir. Et le but! Kevin Veilleux! Ainsi seul, encore une fois. Il va de la même fin. Des 7 points de réussir à marquer. Olivier! C'est. Tire! Maxime Saint-Cyr! Échappé! Dans le gardien. Et le but! Quel arrêt d'Étienne Marcoux! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la source LNH, balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Tristan Pomerleau des 3L de Rivière-du-Loup. Dave, comment ça va? Très bien, toi? Yes, yes. Donc, 6 matchs là, qu'on a eu lors du dernier week-end. Des bons matchs. On a eu des matchs serrés. Le 1-0, Dave, tu vas m'en parler. Ouais. On ne va pas en parler du 1-0. C'est un bon match, mais ouais. Yes. Donc, Tristan Pomerleau aujourd'hui des 3L, c'est un costaud défenseur là, qui est arrivé avec l'équipe cette année, a été recrue là, du mois de janvier. Commence à prendre ses aises chez les 3L. Et quand il est arrivé également, là, avait un A sur son chandail. On va lui en parler. Donc, va être très, très intéressant ce soir. Exact. Gars de la place. Un looper déjà, tu arrives dans le club, tu as déjà un A, mais tu sais, il a quand même été capitaine là, dans sa carrière. Donc, c'est quand même un gars là, qui est reconnu pour ça. Mais ouais, j'ai hâte de pouvoir discuter de tout ça avec lui. Yes. Donc, on va faire quelques salutations. Yann Gaudreau qui dit bonsoir, Sébastien David et M. Pomerleau. Stéphanie Landry qui dit allô à vous trois. Stéphane Bailey qui dit salut, messieurs. On pourrait peut-être y aller, Dave, avec quelques nouvelles pour commencer. Je vais mettre le petit vidéo. Une seconde. Il l'a cette semaine. Voilà. Alors, comme d'habitude, commencer avec les 3 étoiles. Donc, première étoile de la semaine, Philippe Cadoret. Donc, je ne l'aurais pas volé sa première étoile. En tout cas, jeu blanc, là, 35 arrêts face à Sorel Tracy samedi après-midi. Donc, vraiment, là, grosse performance là, du gardien des Marquis. C'est toujours plaisant quand que ton équipe, disons, en avant de toi, sort un petit peu plus fade, ben, que voir que tu peux avoir un gardien là, qui élite, là, qui est capable d'aller chercher des matchs comme ça là, quelquefois pendant une saison, mais c'est toujours bon, surtout là, à l'approche des séries. Donc, ben, c'est pas que Tristan Bérubé va mal non plus à Jonquière. Je pense que ça va être un beau problème à avoir là, pour Bob Desjardins puis la gang à l'approche des séries. Deuxième étoile, toujours à Jonquière. La veille, là, Marc-André Tourigny qui a marqué 3 buts dans la victoire des siens. Donc, Tourigny là, qui vraiment là, va bien par les temps qui courent. Là, sa séquence, c'est terminé samedi, là, mais on avait 3 matchs de suite avec au moins un but. C'est quand même 5 buts à ses 4 derniers matchs, là, grâce au tour de chapeau. Puis la troisième étoile, Nathan Larose, 2 buts, 2 passes en fin de semaine. Encore une fois, il a été le corps arrière des pétroliers. Vraiment, là, depuis, je dirais, le dernier mois et demi, 2 mois, là, Nathan Larose est vraiment parti en fusée, là, en flèche. Là. Il n'y a plus il n'y a plus personne pour l'accoter ou l'arrêter dans la ligue. Là. Il est premier pointeur au niveau des défenseurs avec 39 points. Le deuxième, c'est Gabriel Bilodeau des Éperviers avec 27 points. Donc, vraiment, Nathan Larose est seul là, dans sa catégorie là, à ce niveau-là. Là. C'est même pas proche. Donc, voilà pour les 3 étoiles. Sinon, petit plateau qui a été atteint. Cinquième pointeur de la ligue également. Oui, c'est ça. Donc. au niveau des plateaux, Raphaël Bussière là, qui a atteint son 100e point dans la Ligue nord-américaine en fin de semaine là, avec les pétroliers. Donc, Bussière qui a déjà joué à Rivière-du-Loup et à Montcalm là, avant de se ramasser à Laval cette saison. Donc, un ancien choix au repêchage du Wild du Minnesota donc, qui connaît une bonne saison à Laval. Elle avait connu sa meilleure saison là, en termes de points en carrière là, l'année dernière à Montcalm.
de continuer d'avoir du succès à Laval, là, surtout avec son trio là, jumelé avec Kevin Gadoury et Danick Paquette. Ensuite de ça, parlant de plateau, j'ai fait des petites recherches, là, on pourra en discuter peut-être un peu plus, mais avec son but en fin de semaine, je suis pas mal certain que, à moins que je me sois trompé, là, j'ai essayé de checker pas mal toutes les grandes ligues là, qui existent, mais que Donald Brashear est le plus vieux joueur à avoir marqué un but dans une ligue professionnelle de hockey à 52 ans. Donc, en tout cas, c'est quand même quelque chose d'impressionnant là, qui a été réalisé. Puis c'était quand même un beau but là, qui a marqué contre Thetford Mines. Mm-hmm. En tout cas, c'est quand même le fun de voir ça. Là. Les nouvelles ont aimé ça, parler de lui là, pour d'autres raisons que ses prouesses offensives. Les derniers matchs, là, on est rendu à 6 points à ses 7 derniers matchs ou même 7 points à ses 8 derniers. En fait, non, ça serait 6 à ses 8 parce qu'il n'y a pas eu de points. Parce qu'il y avait un but 3 passes à ses 5 derniers matchs. C'est ça. Puis il n'y a pas eu de passe sur le seul but des Marquis samedi, mais il est plus un pareil. quand même, il était sur la glace pour le seul but de son équipe. Fait que ça va bien pour le bon vieux Donald. Fait qu'à voir si on va parler de ça aussi dans les médias. Puis sinon, à Sorel, malgré là, la défaite, il y a quand même eu la journée fan. Les joueurs là, qui ont rencontré les fans après le match, là, c'était quand même une belle opportunité. Là. C'était cute de voir surtout les jeunes fans. Puis Kevin Lusignan là, qui a sorti, avait fait les cartes l'année dernière, donc a ressorti les extras qu'il y avait là, des joueurs des Éperviers. Donc les fans là, pouvaient, dans le fond, se ramasser une carte de leur joueur que le joueur pouvait ensuite autographier. Donc c'était bien fait, puis c'était bien réussi, puis c'était le fun aussi, surtout le. Par les temps. Ça s'est replacé un petit peu, même si Sorel n'a pas gagné, là, ça s'est replacé un peu en fin de semaine. Là. Sorel a joué deux très bons matchs là, malgré les résultats, mais c'est le fun de voir une bonne dose d'amour là, pour les joueurs et tout. Là, donc, ben oui. Mm-hmm. Yes. Est-ce qu'on avait d'autres nouvelles, Dave? La reprise du match. Donc le match, là, je pense que c'était le 17 février dernier là, à cause de la grève à Saint-Georges. Il y avait un match qui avait été reporté. Donc, officiellement, le match aura lieu ce dimanche entre les pétroliers. Donc, entre les pétroliers et le Cool FM de Saint-Georges, dimanche à 13h, donc à bien noter, à l'aréna à Sainte-Marie de Beauce. Si je ne me trompe pas, là, il y a un aréna qui a déjà accueilli des matchs de la Ligue nord-américaine de hockey là, l'année là, du Poutrel Delta, je pense, en 2009. Là. C'est une équipe, malheureusement, qui n'avait pas toffé là, la saison, mais... ça reste en Beauce, on sait, là, le Cool FM, c'est un peu l'équipe d'une région dans les dernières années. Donc, au moins, là, c'est pas trop loin. On va espérer que les fans vont quand même être au rendez-vous. Puis, vous avez vu qu'il y avait 1000 places assises et 700 places debout, là, selon Stéphane Rouleau, là, qui avait écrit dans le groupe là, du Cool FM. Oui, donc, capable de remplir ça du côté des fans du Cool. 1700, c'est quasiment la moyenne qu'ils ont cette saison. À Saint-Georges. Donc, il va y avoir de l'ambiance dans la cabane. Ouais, surtout si autant de monde dans une plus petite place. Ça va être fun. Exact. voilà. Pour les nouvelles, je pense que ça faisait le tour de mon côté. Je vois qu'il y avait Danny là, Charrette là, qui avait écrit également là, que. L'assurance a pu vivre une expérience à sa fille. On a pu voir une petite vidéo là, qui était sur les réseaux sociaux, elle a pu rencontrer son idole. Là, et était comme, je pense, début sur la glace, au début du warm-up, là, avant que ça commence. Là, donc, Il y a une autre, chose si je voulais dire. Les enchères de chandail, là, ça se continue là, pour les marquis. Là, je pense aujourd'hui, c'était le chandail de Christian Ouellet, si je ne me trompe pas, qui est mis en vente. Et avec la visite des marquis à Sorel la samedi dernier, j'ai pu mettre la main sur un des chandails des marquis que j'ai réussi là, à obtenir. Donc, je l'ai ici. Donc, j'ai réussi par les marquis. J'ai Mathieu Brisebois, donc on a déjà reçu au podcast. Ah, nice. Cool. Quand même content. C'est sûr que
Je reste pour les éperviers dans mon cœur, mais j'aime ça collectionner les chandails. C'est le fun. Mm. Peut-être vendredi prochain, il serait les Tatted Furs. Peut-être il y a les enchères qui se font sur place là-bas aussi. Là. Peut-être essayer d'en ramasser un là-bas aussi. Mais pour ceux qui sont intéressés, là, ça continue. Je vois Stéphane Bailey qui dit pas de suspension en 20 semaines, pas de suspension en 20 semaines. Puis il y a eu plus de parties en plus. Okay. Ouais, mais tu sais, le jeu serré, mais c'est pas toutes les fins de semaine qu'il y en a non plus, puis plus que la saison là, progresse, il y en a pas mal de moins en moins. Mais tu sais, avec ce match qui reste là, à la saison là, pour chacune des équipes, même moins là, les trois, il en reste seulement quatre. C'est pas le temps de se ramasser un 4-5 matchs de suspension puis de manquer la première game, première game des séries. Je pense que les joueurs font plus attention également. Mm-hmm. Ça, c'est peut-être plus en début de saison que plus de suspension. Ben, il reste juste 3 semaines, je pense à ça. Ça paraît pas, mais ouais, il reste juste 3 semaines avant l'activité, avant les séries. Ça arrive. Yes. Donc, est-ce qu'on est prêt à y aller avec notre invité de ce soir? Yes. Tristan Pomerleau, bienvenue au podcast. Comment ça va? Ça va bien, vous autres, les boys? Yes. Ça va bien, merci. Merci de te prêter au jeu ce soir. Merci, puis merci de me recevoir, là. C'est bien cool que vous faites ça pour la Ligue, puis ça amène la visibilité aussi. Là, fait que merci pour ça. Merci, merci. Est-ce que tu as aimé un peu ma présentation de toi là, pendant que tu étais dans la salle d'attente? Je t'ai vanté comme un leader qui a déjà le A là, chez les 3L. David aussi l'a dit que tu as déjà eu le rôle également de capitaine là, au cours de ta carrière. Un défenseur robuste. Je pense que tu as une belle feuille de route également. Oui, écoute, je ne m'attendais pas vraiment à avoir un A sur mon gilet cette année pour être honnête avec vous autres. Les coachs ont annoncé ça dans la chambre, puis tu sais, ils avaient parlé un peu au groupe de leaders qui étaient déjà en place, là, des gars comme Marcotte et Ward. Je pense qu'ils ont été d'accord avec ça, d'amener un gars de la place, puis d'avoir un A sur mon gilet. Puis moi, ça me rend fier, tu sais, c'est de jouer devant mon monde, mes amis, puis la ville de Rivière-du-Loup. Là. Fait que, non, je trouve ça cool. Une belle preuve de confiance. Là. Qu'est-ce que tu penses qui a penché dans la balance? Pour le A, ça? Ouais. Ben, écoute, je pense que je suis pas le gars qui parle beaucoup, beaucoup dans une chambre, tu sais, mais je pense que je fais les bonnes choses de la bonne façon, tu sais, par mon comment je me comporte sur la glace, puis en hors-glace, puis ça a été un peu ça aussi qui a fait que j'ai été capitaine à Victo 3 années. Fait que, non, c'est ça, puis j'essaie de juste emmener le mieux que je peux, la meilleure version de moi-même. Là. Puis parlant un petit peu de Rivière-du-Loup, je pense que c'est ce qui est fun cette année, c'est que on dirait qu'il y a plus de saveurs locales dans l'équipe. Là. Il y a toi, il y a Tristan Petit qui s'est amené, t'sais, Michael Ward qui habite là maintenant. C'est dommage au niveau de Nathan Ouellet là, qui pensait peut-être être plus là au début de l'année, mais puis je ne sais pas, je pense j'ai l'impression que j'en oublie un, mais. Bon, Simon Chevrier aussi maintenant qui habite à Rivière-du-Loup qui lui est blessé malheureusement. Mais tu sais, c'est Samuel Lévesque qui vient de la région qui lui aussi là, est là cette année. Quel impact tu penses que ça a sur l'équipe en général, là, le fait que il y a beaucoup de joueurs de la région puis de la place là, qui sont dans l'équipe? Est-ce que tu penses que veux pas ça traîne un peu les autres parce que il y a des gars qui prennent vraiment ça à cœur à cause que justement ils représentent leur propre région? Ben exact, tu le mentionnes, puis je pense que c'est vraiment, vraiment important d'avoir des gars de la place. Je pense que dans la Ligue, il y en a un petit peu partout. Là, je connais un de mes bons chums qui est Goulet, Alex Goulet à Tedford, c'est un gars de la place. Fait que ça en prend, puis on a des beaux produits ici locaux, là, Tristan Pelletier qu'on a réussi à emmener avec l'équipe, puis je pense que depuis qu'il est là, il prend vraiment une belle place dans l'équipe, il est important avec l'équipe. Fait que
Puis ça nous tient à cœur, tu sais, comme tu dis, tu sais, on joue, veut pas, on joue devant nos familles puis nos amis, du monde qu'on connaît, fait que on veut être fiers là, de porter le gilet. Tu es revenu à la maison, mais tu es quand même arrivé dans une nouvelle équipe. Comment a été l'accueil là, chez les 3L au début de la saison? Ça a vraiment bien été, pour vrai. On a eu un petit camp d'entraînement, une fin de semaine, là, après ça, avec des matchs sur concours, mais ça s'est vraiment bien fait. Puis la gang de boys, on est vraiment proches. C'est le fun de se voir les vendredis à chaque semaine. Puis on serre la pince, un fist bump, puis on a le goût d'être ensemble puis de jouer au hockey. Fait que c'est vraiment le fun. Puis j'ai rien à dire, là, pour vrai, l'organisation est vraiment, vraiment sa coche. On a parlé un peu du rôle de leader, là, mais quand tu es arrivé, est-ce que Fabien Dubé ou l'entraîneur Ailey t'ont dit peut-être des qu'est-ce qu'on s'attendait à toi, si on avait des attentes, ces choses-là? Ben, on en a parlé un petit brièvement, mais je savais que j'allais avoir quand même un rôle important avec l'équipe. Que je revenais dans le coin, fait que je savais que j'allais avoir des minutes de jeu aussi. Fait que c'est le fun de savoir ça, que tu vas être une partie importante de l'équipe. Fait que moi, ça fait mon affaire de jouer et de savoir que tu peux faire une différence et amener de quoi à l'équipe. Là. Fait que c'est vraiment fun. Puis c'est quoi être un joueur? Je pense qu'on entend ça un peu là, des autres joueurs locaux là, dans les différents marchés de la Ligue, mais c'est quoi là, c'est quoi la place que les 3L ont à Rivière-du-Loup selon toi? Puis tu sais, c'est quelque chose que, je sais pas, quand tu vas à l'épicerie, tu t'en fais parler maintenant que tu es dans l'équipe. Comment est-ce que ça se passe là, être un joueur des 3L puis habiter à Rivière-du-Loup? Ben écoute, on va se le dire, Rivière-du-Loup, c'est pas une énorme ville, tu sais, on est 20 000. Là, ça a sûrement grossi depuis, mais avec les environs, là, 20 000, 25 000. Fait que, écoute, le mot se passe assez rapidement. Puis, pour les sports dans la région, je te dirais que tu es l'Océanique à Rimouski, mais tu es à une heure de route. Fait que, pour le monde de la Rivière-du-Loup, tu as les 3L, puis tu as aussi les Albatros et une Jet 3. Fait que, non, c'est quand le début de semaine arrive, surtout que moi, je travaille dans les écoles, là, puis aussi avec le programme scolaire. À l'école secondaire, fait que quand je vois les jeunes, on se parle tout le temps de nos fins de semaine, comment que ça a été les matchs, puis on s'en fait parler quand même assez souvent là, avec les amis aussi, puis la famille, fait que c'est le fun là, d'avoir une ville qui n'est pas si grosse que ça, fait que le monde sont quand même au courant. C'est quoi le travail que tu fais dans les écoles? Ben en ce moment, je suis remplaçant, je suis suppléant, je me promène un petit peu partout, là, je fais du primaire, secondaire, fait que je me promène, puis c'est vraiment les matins, là, j'étais avec sur la glace avec les équipes de hockey de l'école secondaire. C'est quoi qui est plus facile, les élèves primaires ou les élèves secondaires? Eh bien, je te dis que c'est une bonne question parce que c'est quand même différent, tu sais, au primaire, quand tu empoignes des jeunes, des fois, ça a du gaz, puis faut que tu tiens ça assez serré, puis au secondaire, ben, souvent, c'est. Il y en a qui ont de l'attitude un peu, fait que t'essayes de casser ça le plus vite possible. Là. Mais, tu sais, surtout que je me remets dans ma place quand j'étais sur les bancs d'école, là, tu voyais un remplaçant rentrer. Faisais quasiment un high five avec ton chum en arrière. On va se le payer, lui. Mais, non, on va pouvoir lancer des avions en papier aujourd'hui. C'est ça, mais non, j'essaie d'être cool avec les jeunes. Puis. Souvent, sont cool avec moi aussi, fait que c'est le fun. Mm-hmm. Est-ce que tu vas travailler des fois le staminet, c'est tout ça? Ouais, mais je te dis que je mange plus là que je travaille. Là, okay. Mais je donne un petit coup de main à ma mère qui est propriétaire du resto, fait que c'est le fun. Là, il y a vraiment une belle équipe, c'est vraiment un beau resto au centre-ville. Là, si jamais vous avez une chance de descendre en Rivière-du-Loup et d'aller manger, je vous le conseille fortement. Là. C'est un beau petit resto pub au centre-ville. Mmh. Là. Bonne bouffe, puis ouais, bon, une belle ambiance aussi. Mmh. Je suis déjà allé, mais ça fait longtemps, je pense. Ça fait une dizaine d'années, mais je suis déjà allé faire est-ce que les ventes du restaurant ont augmenté depuis que Tristan Pamerleau est venu chez les 3L? Je te dirais, je suis pas là.
pour moi qui fait la grosse différence là-dedans. Là, déjà, je pense que son institution est quand même bien implantée, puis il y a un bon roulement. Fait que, je lève le chapeau à ma mère, là, elle travaillait fort, surtout dans les débuts. Ça fait au-dessus de 20 quelques années qu'elle a ça, puis elle travaille fort. Là. Fait que, pour vrai, non, c'est ça va vraiment bien là, ces derniers temps. Puis, là, la grosse été s'en vient. Là, souvent, c'est l'été que ça pogne le plus, évidemment, avec les terrasses. Puis, ça, fait que non, c'est vraiment, vraiment cool. T'as dit Resto Pub, c'est une place qui a des télés? Ouais, tu sais, il y a des télés, fait que ouais. Le sport aussi, puis... Pour voir les 3S sur TVLNH en série sur la route. peut-être, si on s'en rend loin, hein, ça sera discuté, on les mettra peut-être sur la TV. Ouais, début mai, là, quand il commence à faire beau, là, ça paye. Avec une petite bière sur la terrasse, ça pas pire. Sur un plan plus personnel, ça va bien par les temps courts pour toi et pour l'équipe des 3L. Tu étais joueur recru du mois de janvier. Donc, tu avais récolté 6 points en 5 parties, je pense. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça? Oui, bien écoute, surtout à la maison, là, je te dirais que ça a quand même bien été dans les derniers temps. Personnel et équipe aussi, là, en équipe, on a eu plus de difficultés au début de l'année. Là, beaucoup de nouveaux visages aussi dans l'équipe. Fait que là, tu ne pratiques pas la semaine, hein, ça c'est une grosse affaire. Fait que la cohésion, des fois, n'est pas toujours là, mais par les temps qui courent, ça va vraiment, vraiment bien. Puis on voit qu'on commence à avoir plus de chimie, puis les victoires sont là aussi, sont au rendez-vous. Fait que on est content de ça. Puis niveau personnel, ça va bien aussi. Pour vrai, habituellement, moi, je suis pas vraiment quelqu'un qui est là pour les stats. Check les stats. Ouais, c'est ça. je me vois comme un gars qui est plus shutdown, t'es piqué. Fait que c'est toujours le fun quand tu vois ton nom sur la feuille de pointage, on se le cachera pas. Fait que. Tant mieux pour ça, puis je suis bien content de ça. Parlant de feuille de pointage, je regarde tes statistiques justement. Tu as 7 buts jusqu'à présent cette année. Peu importe où tu as joué dans ta carrière, tu n'as jamais eu ça. 7 buts dans une saison, c'est un sommet personnel. Oui, comme tu dis, là, même junior, je pense que c'est 5 buts le max que j'ai fait par saison. Fait que non. Je vais continuer de lancer, ça a l'air, hein? C'est payant. quand tu es arrivé, là, beaucoup ont dit que tu étais un style de défenseur là, qui était sur mesure pour la Ligue nord-américaine de hockey. De ton côté, est-ce que l'adaptation a été difficile là, dans cette ligue-là qu'on dit souvent robuste, différente? Des fois, des gars ils arrivent de l'Europe là, où ça frappe un peu moins. Oui, c'est ça. Tu sais, justement, l'année passée, j'étais au Danemark, moi, puis tu parles du côté moins physique, puis c'est absolument vrai, là, où ce que j'étais, j'avais pratiquement aucune mise en échec par match, tu sais, il y a des grandes glaces. Fait que moi, quand j'étais arrivé là-bas au début de la saison, l'année passée, des fois, je me sortais du jeu, j'essayais d'aller faire une mise en échec, mais tu sais, je me faisais battre, là, fait que j'ai essayé de slacker ça un peu. Puis là, contrairement à revenant ici, tu sais, là, faut que tu te réajustes, là. C'est beaucoup plus physique, puis les gars arrivent vite, fait que ça a été un petit peu d'ajustement à ce niveau-là. Puis, mais je te dirais que le plus gros ajustement, c'est pour pas pratiquer la semaine, là. Ça, je te dirais que c'est la grosse différence, c'est surtout que depuis 16 ans, je suis habitué de pratiquer à chaque jour, puis tu as des matchs les fins de semaine. Fait que ça a été la grosse différence, mais tu sais, au moins... je réussis à me trouver un trou pour patiner la semaine là, pour toucher la glace en équipement. Fait que t'arrives le vendredi, t'es moins rouillé un peu. Là. Ouais. Good. Si on regarde un petit peu là, ton parcours junior, tu l'as dit, tu as été 3 ans capitaine avec les Tigres. Tu as fait tout ton junior avec les Tigres là, depuis 2012. Comment tu résumerais peut-être là, ton parcours là, chez les Tigres de Victoriaville? Oui, bien, en gros, ça passe vraiment vite. En vrai, je repense à ça, puis je suis au Colisée Pepsi en train de me faire repêcher par Victo. Fait que
16 ans, j'ai commencé là. Je m'attendais, pour vrai, je ne m'attendais pas de faire l'équipe à 16 ans. J'arrivais d'une Jet Espoir. Petit gars, pas prêt vraiment là, pour le junior, mais j'ai fait ma place dans le camp. Puis cette année-là, on était un peu en reconstruction. Fait que j'ai pu me faire ma place. Au début, je ne jouais pas trop, mais après les fêtes, je pense que j'ai pris mon envol, puis ça a quand même bien été. Fait que, puis c'était cette année-là, on a fini quand même assez beau classement. Puis on a joué contre Moncton, qui était classé quand même assez haut. Il avait fait des gros échanges. Nous autres, on avait Philippe Dano, qui était échangé à Moncton cette année-là, à Noël. Fait qu'on a joué contre Phil en série, puis on les a éliminés en 5 games. Cette série-là, fait que ça, c'était cool. Par exemple, c'est ma seule ronde que j'ai gagnée en série en 5 ans. Fait que, c'était tout à fait les autres années. Tu avais marqué un gros but, par contre, dans la série que vous aviez gagnée. Tu peux nous le raconter un peu? J'ai vu ça sur YouTube en faisant des petites recherches. Ouais, un but... on avait gagné. C'est plus un 0 ce game-là. Ouais, vous aviez gagné 1-0 et tu avais marqué le seul but, celui de la game. Ouais, je me rappelle, il ne restait pas beaucoup de temps en troisième, fait qu'on a closé la game 1-0. Mais c'est ça, parce que dans le fond, là, cette formule-là, vu qu'on était quand même loin de distance, la série 4-7, c'était 2 games à Moncton. Après ça, 3 games à Victo, puis 2 games à Moncton encore. Puis on avait réussi à en chercher une au début là-bas. Fait que c'était 1-1, puis on a gagné les 3 à maison après. Fait que, on les a éliminés, fait que c'était cool. Là. Il y avait du monde, puis il y avait de l'ambiance à l'aréna. Tu parlais d'Alexandre Goulet là, chez l'assurance. J'ai une petite photo ici. Là. Les deux dans le dans le linge des tigres. Je vais te montrer une petite photo. Je pense que c'est peut-être quand même un peu particulier. Si tu peux peut-être nous le raconter, mais... C'est lorsque, justement, tu as fini ton parcours là, à 20 ans, je pense que tu étais comme suspendu à la fin pour les derniers matchs. Je pense que tu es revenu après, mais c'est quand même plate, par exemple. Ouais, non, c'était pas cool. Écoute, on avait pogné Chicoute, il y avait une grosse équipe cette année-là. Puis, écoute, on avait perdu en 4. Puis la troisième game... je vais avoir faire une mise en échec, puis écoute, ça s'est arrivé vite, mais un peu le gars qui s'est tourné à la dernière minute, fait que fini dans mise en échec par derrière, fait que c'était Nicolas Roy là, qui joue maintenant à Vegas, fait que là, je pense qu'il n'avait pas fini le match, cette partie-là, fait qu'après la game, j'ai appris que j'étais suspendu, mais je ne savais pas comment le game. Mais là, finalement, on a perdu en 4, fait que ça a sorti, et bon, finalement, c'était juste une game. Ouais. Je ne sais pas si on aurait gagné, si j'aurais eu un autre match ou la suite. C'était vraiment le troisième match, puis le quatrième, tu n'as pas pu jouer, puis la série, c'est fini comme ça. C'est ça. Fait que dans le fond, mon dernier match junior, ben, je l'ai joué, mais je ne savais pas que c'était mon dernier vraiment. Là. Fait que c'était un peu poche d'être sur la glace, mais tu n'es pas habillé là, pour mon dernier match. Dans ce post-là, j'avais vu quand même que c'est écrit aussi que plusieurs équipes universitaires vont probablement le contacter. Finalement, tu as été du côté de Fredericton, l'Université du Nouveau-Brunswick. Oui, exact. J'avais eu une couple d'appels de l'université. C'est quand même dur de choisir un choix en particulier. Mon top 3 que j'avais, moi, j'avais McGill à Montréal, j'avais Trois-Rivières, puis j'avais UNB à Fredericton. Puis j'étais allé à McGill visiter, puis c'était vraiment, vraiment, vraiment hot aussi comme place. Ça passait près que j'allais là aussi. Mais tu sais, moi, puis on parlait d'Alex tantôt, Alex Goulet. Ça, c'est assez cool. Là, on était à Victo après notre saison, qu'on a été éliminé. Puis, justement, l'organisation UNB sont venus nous chercher en petit avion analysé. Ils sont venus nous chercher. Puis, ils nous ont flyé jusqu'à Fredericton pour faire la visite. Puis, le lendemain, là, on revenait en avion à Victo. Ça fait que ça, c'était assez nice. Là. Okay. Puis, tu rentres dans la chambre à UNB. Puis,
le coach, je ne sais pas si vous connaissez un peu, c'est une légende de hockey, ce gars-là, là, Garner McDougall. Ouais. On rentre dans la chambre, puis là, il avait tout bien placé, toutes ses bagues de championnat, les coupes partout. Tu avais ton nom dans le stall écrit, tu sais. Où est-ce que tu t'habilles, tu avais déjà le nom, de famille. Fait que, il savait ce qu'il mettait le paquet. Là, puis, ouais. Oh, il mettait le paquet, fait que c'était comme... pas choix de venir ici. Puis moi, je connaissais du monde qui est allé là, que j'avais joué avec à Victo, dont Philippe Maillet, puis Philippe Harley, qui est en France en ce moment. Là, deux bons boys qui m'ont juste dit des bons mots de cette organisation-là. Puis tu sais, les stats, c'est fou. Là, cette année, ils n'ont pas encore perdu le game. Là. Ils ont eu une saison parfaite de 30-0, puis là, en série, ils sont 2-0. C'est tout le temps les bonnes équipes. Fait que, moi, j'étais chanceux de gagner un championnat canadien, mais je pense que lui, il est vraiment fort, ses stats, le coach. Puis il a sorti depuis 2007, chaque gars qui 2007 ou 2010, je ne sais pas trop. Chaque gars qui ont passé dans le programme, ils ont au moins un championnat canadien. Une bague, là. Fait que, t'as la tienne, puis t'as gardé-tu précieusement quelque part? Ouais, dans ma chambre en haut, je ne sais pas où exactement, mais elle est là, puis c'est quelque chose là, de. Parce que c'est pas mal, je te dirais, dans mes années de hockey, la seule chose, le seul championnat que j'ai gagné jusqu'à maintenant, fait que quelque chose d'assez hot. Puis ben là, tu as choisi l'Université du Nouveau-Brunswick, mais tu aurais pu peut-être choisir un parcours dans le hockey professionnel. Avais-tu eu des offres, là, que ce soit East Coast, Ligue américaine ou d'une équipe de la Ligue nationale? Oui, bien, dans le fond, quand on est éliminé, mon année 20 ans, on est éliminé assez tôt. J'avais une petite blessure au genou, fait que au ministre, il fallait que je prenne soin de ça, mais tu sais, j'aurais pu aller finir l'année dans East Coast, mais j'ai décidé de me faire opérer à mon genou, fait que... puis après ça, ben, écoute, t'as le choix, tu sais, tu vas aller aux études, puis tu sois professionnel, fait que moi, je trouvais ça important de faire mes études, puis après ça, de l'essayer, puis voir où est-ce que ça peut aller, mais je trouvais ça important là, d'aller aux études, puis tu sais, dans un programme comme UNB, je pense que c'était le meilleur des deux mondes. Tu avais du bon hockey, puis tu faisais ton école en même temps. Tu as fait un baccalauréat en administration là-bas. C'était dans le but de faire quel métier? Écoute, encore aujourd'hui, je ne sais pas trop dans quelle branche que je veux aller, mais c'est ça. Je savais que je voulais aller faire de quoi en business, mais exactement dans quel... quel domaine, je ne sais pas encore. Là. On verra dans les prochaines semaines, prochains mois, là, on va voir ça. Ouais, t'es encore jeune. En 2020-2021, tu as quand même pu goûter au hockey professionnel là, en ayant revêtu l'uniforme du Rocket de Laval pour une partie. Oui, exact. Justement, là, après le maudit COVID qu'on a eu, j'ai pu aller rejoindre les gars. Là, vu qu'il y avait c'était la saison COVID, ben, eux, ils étaient au Centre Bell. Fait que tous les matchs, je faisais là. Fait que vraiment, c'était vraiment sa coche. On a comme formé une chambre ou un restaurant là, pour les gars avec toutes des stars individuelles. C'était vraiment incroyable. Puis moi, je restais dans les tours du Canadien. Là. Il m'avait comme passé un appartement là. Fait que c'était vraiment, vraiment hot. Là. Je traversais la rue et j'étais rendu au Centre Bell. Fait que c'était nice. Ouais, j'ai joué une game. Ben, joué, c'était plus 3-4 chiffres là, de mémoire. Mais quand même, c'était cool là, d'être là et de vivre l'expérience. Là. Vraiment. On t'a bien traité là, du côté de l'équipe. Ah oh, ouais, vraiment. J'ai pas un mot à dire, le personnel puis tous les gars du staff, là, ils ont vraiment été à sa coche. Tu étais là pendant combien de temps? Comme c'est une genre de bulle?
Ouais, c'était une bulle. Ça avait fini, je pense, en mai. Fait que je pense de mars. Deux ou trois mois que j'étais là. Fait que tu fais quand même pratiquer avec les joueurs, même si tu as juste joué une partie. Ouais, c'est ça. Souvent, on pratiquait ensemble. Puis, ben, les gars qui jouaient pas, évidemment, on avait souvent de l'extra après. Là. Mais c'est ça, d'être là et de côtoyer. Puis, une petite anecdote comme ça, cette année-là, ils ont redescendu à l'année Carey Price et Gallagher. Je ne sais pas si ça veut dire quoi. Ouais. Là. Fait que les gars sont venus. Puis, c'était spécial. Tu regardes la TV, puis là, tu shoots sur eux autres, tu shoots sur Carey. Puis, tu fais des passes à Gary. Fait que non, c'était cool. Les gars étaient vraiment smart. Là. Puis, une autre petite anecdote, j'arrive tôt ce matin-là. Puis, j'avais vu ça dans les nouvelles, puis tout. Mais je m'en vais dans mon store pour me changer de sans combine et tout. Puis là, je vois Carey arriver. Puis, t'es en train de mettre mes culottes. J'ai quasiment les culottes à terre. Il vient me serrer la main. Il dit « Hey, Carey. » Là, moi, j'ai comme les culottes à terre. Je dis « Hi, nice to meet you. » C'était spécial de rencontrer de même les culottes à moitié baissées. Là, ouais. Faites pas payer ça à raconter quand t'en viens chez vous. Ben, ça. Ah oui, ça c'est sûr. J'ai réussi à me ramener un bâton aussi. Il y a une couple de gars qui ont demandé des bâtons enfin. Fait que, il y avait, je sais pas trop comment de bâton dans son rap. Fait que je suis allé demander, puis il m'en a signé un. Fait que je l'ai encore aussi. Je vais garder ça un petit bout, un beau souvenir. Ah, c'est hot, ça. Cette année-là aussi, j'ai vu que toi aussi avait joué un peu pour le Rocket. Est-ce que tu as eu la chance de le voir aller? Je sais pas, est-ce que ça a comme quelque chose, j'ai pas entendu qui ça? Ah, j'ai dit, j'ai vu cette année-là aussi, c'était Cole Caulfield qui était joué quelques matchs là, avec le Rocket. Est-ce que tu avais eu la chance de le voir aller, lui, soit dans les pratiques ou pendant un match? Ouais, vraiment. Puis lui, quand il est arrivé, ben, il avait encore la quarantaine, fait qu'il fallait qu'il fasse un 10 jours, je pense, d'isolement. Fait que quand il est arrivé, ben. Il a pratiqué avec les gars d'extra comme nous, là. Fait qu'il était sur la glace pour se remettre en forme, fait que c'était cool, puis vraiment un bon Jack, là, tout à souriant, puis plein, full d'énergie, puis première game qu'il joue, il a scoré comme deux buts, là. Mm-hmm. Tu voyais qu'il était déjà pas pour la NHL. T'as quand même pu te reprendre là, pour jouer quelques matchs de plus, là. Deux matchs avec le Moose l'année suivante, puis avec... les Growlers de Terre-Neuve. Donc, 41 matchs. Comment ça s'est passé cette saison-là? Écoute, super, super, super année encore. Beaucoup de voyagements quand même. Là. Je m'avais présenté moi au camp du Moose. J'ai eu un bon camp. Mais je savais qu'il y avait quand même beaucoup de défenseurs sur des contrats NHL. Avec le Moose, fait que je savais que probablement j'allais me faire placer dans la East Coast. Puis eux autres, dans le fond, le Moose, ils ont comme pas de. Ben, ils en avaient un, mais là, ils n'existent plus. Ils sont plus affiliés avec eux autres. Là. Fait qu'ils n'ont pas de club particulier dans la East Coast. Fait que en parlant avec le GM, ils ont décidé de m'envoyer avec les Growlers à Terre-Neuve. Puis moi, j'aimais vraiment, parce que je savais que c'était quoi, puis j'ai un de mes bons, mon chum qui venait de là, mais j'avais vraiment mis les pieds là. Puis en arrivant là, écoute, super, super place. Belle ville, puis belle organisation, là. C'est sûr que c'est le club école des Marlies qui était affilié avec Toronto. Fait que niveau budgétaire, ils n'ont pas trop de problèmes avec ça, là. Fait qu'on était assez gâtés de déjeuner, dîner à l'aréna à chaque jour. J'aurais pu te demander, est-ce que vous faisiez du bus ou justement de l'avion vu qu'il y avait du budget ou... Non, on voyageait, on prenait l'avion à chaque fois parce que... Ouais. C'est quand même loin, là, Terre-Neuve, c'est pour ça. Dans le fond, c'est comment que ça fonctionnait. Souvent, on avait deux semaines à maison, deux semaines sur la route. Fait que quand c'était le temps d'aller sur la route, ben, on prenait l'avion pour aller souvent à Toronto ou à Montréal. Puis, il y avait le bus des Growlers qui était tout le temps où ce qu'on arrivait, dans le fond. Fait que lui, il restait là, soit à Toronto ou à Montréal. Puis, à partir de là, ben, on voyageait. Puis, quand on faisait
des trips qui étaient un peu plus loin. On est allé en Floride une fois, je pense. Ben, dans les séries aussi. Fait que on voyageait directement, je pense que c'était à Fort Lauderdale qu'on atterrissait. Puis à partir de là, on prenait l'autobus. Mais ouais, ça nous a permis de faire l'avion en masse. Puis souvent, quand je me faisais rappeler pour aller justement dans les games américaines, souvent ils t'appellent, tu sais jamais à quoi t'attendre. Tu arrives à faire l'épicerie, 200-300 pièces d'épicerie pour la semaine et tout. Puis tu te fais appeler le soir à 9-10 heures. Tu prends l'avion demain à 6 heures du matin jusqu'à Winnipeg. Là, ah, OK. Ça arrivait, tu sais pas, là, tu sais jamais. Fait que. Puis là, tu passes la route, tu sais pas vraiment de valise que tu amènes. Fait que tu essaies de te faire préparer pour tout. Là. Fait que ça a été beaucoup de voyagements, beaucoup de nuits dans les hôtels. Fait que je te dirais que là, en ce moment, avec deux enfants, je ne la referais pas, là, mais ça a été une belle année quand même. Ouais. As-tu des. Je sais que Terre-Neuve, c'est quand même reconnu là, pour. Tu sais, il y a du brouillard, des choses comme ça. Avez-vous déjà eu des problèmes d'avion à l'atterrissage, qu'il fallait vous rebroussiez chemin ou que des trucs comme ça? Moi, quand j'étais là, c'est pas arrivé, heureusement. Il y a eu des fois que ça brossait quand même pas pire. Mais il y a des gars là, qui viennent de là et qui ça fait une couple d'années qui ont joué là. Puis... Ça leur est arrivé là, de tourner en rond, puis essayer d'atterrir, puis à un moment donné, je ne sais pas, à un moment donné, s'ils ne pouvaient pas ou il a fallu qu'ils retournent de bord, mais je sais que ça a déjà été plus compliqué. Là. Donc, après cette saison-là, je ne sais pas si tu avais apprécié assez pour rester, mais finalement, tu as joué au Danemark là, pendant un an. Pourquoi le Danemark? Tu sais, moi, c'était toujours quelque chose que je voulais essayer d'aller jouer en Europe depuis que je suis junior. Toujours été mon but. Puis là, vers la fin, l'été avant cette saison-là, justement, de East Coast et américaine, on a appris, moi et ma blonde, qu'on allait avoir un enfant. Fait que c'est certain que là... ça change un petit peu la façon que tu penses. Tu penses un petit peu plus à ta famille. Fait que on a regardé un petit peu les options en Europe. Puis je connaissais un gars qui avait été là à Herning, au Danemark, qui avait vraiment aimé. Puis c'est pas vraiment un gros pays non plus. Fait que le plus loin qu'on allait, c'était 3h30 de route. Fait qu'on couchait jamais sur la route. Fait que t'es toujours de retour à la maison. Fait que c'était un beau compromis, la famille hockey. Le bébé, ouais, tu es au Danemark, là, ou au Québec? Non, un bon Québécois. Ouais. J'en ai deux, l'autre aussi, c'est un Québécois, mais l'autre, il était conçu au Danemark. C'est comment la vie au Danemark? Ça a l'air d'un endroit quand même assez, je sais pas, me semble, le rythme de vie a l'air quand même décontracté là-bas. C'était comment? Raconte-nous donc un peu comment ça se passe au Danemark, là, la vie là-bas. Ben, comme tu dis, le monde ne sont pas vraiment stressés là-bas. C'est assez paisible là, avec eux autres. C'est vraiment, le monde sont super, super, super gentils. Le monde, ils parlent très bien anglais. Il y a des jeunes de 4-5 ans qui sont bilingues à côté. Des papis, mamies, bilingues aussi. Fait que, au niveau de la langue, c'était super. Tout le monde pouvait se parler. Mais leur langue, elles autres, ça, par exemple. Oh! Ouais. J'étais arrivé au début, j'étais arrivé tout seul pour placer le tout. Puis ma blonde est venue me rejoindre un peu plus tard. Mais je te disais que la première épicerie, là, j'ai sorti le téléphone sur Google Translate. Puis, le paquet s'était caché, tu sais pas, c'est-tu du bœuf, c'est-tu du poulet, on sait pas. Là. Fait que, non, c'était un beau casse-tête, ouais. Je voulais quand même te confondre, Popé, t'es quand même assez grand, t'es blond. Est-ce que des fois, il y en a qui pensaient qu'ils commençaient à te parler en danois, ils pensaient que t'étais un gars de la place?
Ben, sûrement qu'il y en a qui ont commencé à me parler, mais ils ont dû voir avec ma face que j'ai aucune idée. Ouais, mais on dit souvent que les pays scandinaves, blond, tel, mais c'est pas un mythe, c'est vraiment vrai. Puis les enfants, ils ont les cheveux quasiment blancs, quasiment les albinos, les mecs sont blonds. Ouais, fait que vraiment belle expérience d'avoir été là. Est-ce que tu avais ton sauna dans ta maison? Non, C'est pas là au Danemark pas là, fort que tout le monde là-dessus, a mais ça, là, c'est quand même populaire. Je te dirais plus en Finlande, ça, c'est ouais. quand même. Il y avait des Finlandais qui jouaient avec nous autres, puis eux autres, c'est quasiment sacré, là. Tout le monde a ça chez eux, puis on est dedans à chaque jour quasiment, là. Mais ouais, nous autres, c'était non, c'était pas super. As-tu eu la chance de voir d'autres pays à part le Danemark quand tu es en Europe? As-tu pu voyager un petit peu? Ouais, on a pu voyager un peu. Ben, ce qui était le fun, c'est que là-bas, il y a comme 2 semaines. Ben, tu as une semaine avant Noël, puis une semaine après Noël, vu qu'il y a comme les championnats mondiaux là-bas. Là, fait que on a une semaine, on a pu on a allé, on a été en Espagne, à Barcelone. Fait que on était là 4-5 jours. Fait que ça c'était hot. Puis aussi une fois mes parents sont venus, puis on avait une couple de journées de congé aussi, puis on a descendu en Allemagne. C'est vraiment pas loin, peut-être 3 heures de route, 3-4 heures. On était rendu à Hamburg, qui est quand même une grosse ville. Puis c'était dans le temps de Noël, fait qu'on a pu voir les marchés allemands, les marchés de Noël. Quand même impressionnant, là, le nombre de monde qu'il y avait là. Puis c'était vraiment, vraiment le fun. À la fin de la saison, tu es revenu au Québec. Tu as parlé justement un peu. C'est vraiment la famille, là, les 2 enfants maintenant qui justifient ton choix. Ouais, ben c'est certain que j'aurais aimé ça retourner et peut-être essayer une autre place là, voir, mais en même temps, on l'avait vécu avec un enfant, puis c'était quand même du stock. Là, avec deux, tu n'as pas vraiment de bras quand tu as besoin de gardienne. Fait que, puis tu sais, il y a du monde qui s'ennuyait aussi ici, là, des mamies papy qui était pas mal sur le FaceTime avec les petits. Fait que ça a penché un peu dans la balance qu'on revienne. Fait que on est bien content d'être de retour puis d'être à la maison. Je voulais savoir, quand tu as pris la décision de revenir à la maison, tu étais un gars impliqué dans la région, c'était-tu déjà clair dans ta tête pour toi que tu t'en venais jouer pour les 3L? Ouais, c'est sûr, tu sais, quand j'ai pris la décision, c'était clair à moi que j'aurais pu revenir au Québec, mais tu sais, jouer, exemple, je sais pas, moi, à Trois-Rivières dans l'East Coast. Mais tu sais, je voulais vraiment revenir, puis je jouais à Rivière-du-Loup, tu sais, je trouvais ça fait plusieurs années que je connais les 3L, puis l'organisation, fait que c'est important pour moi de revenir, puis de jouer à Rivière-du-Loup, parce que ça fait depuis 15 ans que je suis parti de la maison, tu sais, puis j'ai pas vraiment joué à Rivière-du-Loup, fait que c'était le temps que je revienne. J'ai vu que tu as été drafté par l'équipe en 2018, donc j'imagine qu'à chaque année, là, tu as eu des petits suivis, savoir qu'est-ce que tu voulais faire, puis tout ça de la part de l'organisation. Ouais, tu sais, il était pas tannant avec ça, par exemple, là. Ça, j'appréciais ça, là, tu sais, qu'il me laissait faire mes choix, puis à chaque année, on se parlait juste vite comme ça, là, c'est quoi tes plans pour l'année prochaine et tout. Puis c'est ça, mais tu sais, là, après ma saison cette année, on s'est plus parlé sérieusement, puis avec Fabien, là, on a pris, j'ai pris la décision, mais attends, on a vraiment parlé de tout. Puis moi, de mon côté, j'ai parlé aussi avec ma famille. Puis on était bien contents de revenir. Puis c'était un bon compromis, tu sais, de jouer au hockey puis d'être à la maison. Est-ce qu'ils t'ont fait venir à l'aréna là en hélicoptère ou en limousine là avec la chambre? T'es déjà préparé avec ton chandail? Non, ils n'ont pas eu besoin. Écoute, je
Je veux dire, j'étais à 5 minutes en char. Ça aurait été plus long en hélicoptère qu'en char, je pense, dans l'aréna. Fait que. Moi, j'allais dire, est-ce que vous êtes allé à l'estaminet pour un petit souper pour jaser? Hey, même pas. Même pas. Mais on s'est rencontrés. Puis c'est sûr, après, je pense, une rencontre ou deux. Là. Ben, une rencontre, en fait. C'était que c'était fait, là. Ça Je savais s'est que j'en fait étais. naturellement. Ouais, exact. Je voulais savoir aussi, tu avais 20 ans quand les 3L ont remporté là, la coupe là, dans la Ligue nord-américaine en 2016. Est-ce que c'est quelque chose que à l'époque tu suivais un peu? Est-ce que tu t'en rappelles ou tu faisais ça plus de loin? Ou t'as-tu des souvenirs dans le fond de quand les Rivières-du-Loup avaient gagné la coupe en 2016? Ouais, ben écoute, je me rappelle très bien même. On était éliminés junior, fait que je sais pas si c'était en. Hey boy. Non, j'avais souvent fini l'école aussi, parce que j'allais encore au cégep à Victo dans ce temps-là, mais je revenais les fins de semaine à la maison tout le temps, fait que je m'en rappelle très bien à l'aréna. C'était fou comment il y avait du monde, puis. Le monde arrivait comme quasiment 2 heures avant le match, juste pour être sûr d'avoir une place assise. Là. Même qu'il y a un match, je l'ai écouté, j'étais assis dans les marches, là, tellement il y avait du monde, puis c'était vraiment le fun. Là. Tu sentais que ça sentait le hockey à l'air du, il y avait une belle ambiance. Fait que c'était vraiment le fun de voir ça, là, puis que la coupe soit soulevée à l'air du. J'imagine que ça doit être quand tu plus la saison avance, j'imagine que c'est quelque chose qui doit un petit peu te trotter peut-être en arrière de la tête de se dire Colin, comme mon but vraiment, c'est de pouvoir revivre ça, mais d'être sur la glace puis d'avoir le centre premier tech rempli comme ça. Oui, c'est sûr, tu sais, on s'entend que c'est ça le but de jouer au hockey, c'est de lever des coupes. Fait que moi, en étant un gars de Rivière-du-Loup, c'est certain que. Ça serait le plus beau scénario de la lever ici devant mon monde. Là. Fait que c'est certain que dans le fond de ma tête, c'est là. Puis j'espère un jour pouvoir faire ça. Tantôt, justement, quand on parlait de la coupe à UNB, il y avait Pierre-Luc Légaré qui a écrit peut-être que ça va être la deuxième année cette année, qui sait. Donc, puis Stéphanie Landry aussi, après qui en a rajouté pour dire que ce serait le fun. Donc, je pense que les 3L sont sur la pente ascendante. On ne se fera pas de cachette qu'on n'aurait peut-être pas dit ça il y a quelques années, là, mais je pense qu'on avait parlé aussi un peu avec Fabien Dubé là, du plan un peu de l'équipe des 3L. Parler un peu peut-être de la progression en comparaison avec celle du Cool FM l'année dernière là, qui avait gagné. C'est pas si fou que ça de penser à une coupe, peut-être même cette année, on sait jamais. Ben, tu dis ça, puis tu regardes le classement, il y a tellement de parité dans la ligue que tu rentres en série et tu sais jamais. Là. Les matchs sont tellement serrés. Juste, je prends un exemple, sur nous autres, en fin de semaine, on joue contre Laval, 2 matchs très serrés. Là, fait que, tu sais pas, là, ça joue vraiment sur la glace. Fait que, ouais, on a bien hâte aux séries. Vas-y, vas-y, Dave. Ah, ben, on pourrait y aller avec les Ouais. photos, si quelques-unes. Yes, ben, on va y aller avec les petites photos. J'avais aussi une petite photo là, par rapport au tigre. C'est ici avec Mathieu Ayotte, là, qui a été ton coéquipier. Là, tu serrais la main, puis dans la publication que tu avais faite, tu disais que ça faisait bizarre. Ça doit être bizarre un peu de voir maintenant qu'il est avec les éperviers cette année. Oui, exact. Matt, on est bon chum depuis longtemps, depuis 16 ans. On a joué 4 années, ben 4 et demi, là, on a été changé après ça à Québec, mais c'est un de mes bons chums. Puis c'est spécial quand même. Là. Première game qui joue, je pense, à Québec, c'était contre nous autres, si je me rappelle bien. Fait que on jouait, puis Ça s'est-tu parlé on se sur connaissait quand même. sa ligne rouge au warm-up ou Ah, sûrement, mais là, quand on se voit sur la glace, ici dans la ligue, on se fait tout le temps une petite jasette, là.
Ça a glace, fait que c'est cool. Puis, tu sais, souvent, il connaît mes petites tendances, je connais les siennes. Fait que quand il arrive en un contre un, dans le formatage, je sais souvent ce qu'il va faire. Fait que c'est assez drôle là, de pouvoir jouer contre lui quand tu as joué avec, mettons, plusieurs années. Là. Une autre petite photo ici, tu es en compagnie de Piqué Souban. Ouais, écoute, faire une histoire courte, mais dans le fond, vous devez sûrement connaître Marie-Pierre Morin qui est à la radio et tout, là, mais... mes prochaines photos, c'est à propos de ça. Ah ouais, bon, okay, on va répondre à la question en même temps. Très bonne amie à ma mère, une fille du coin, une fille de Rivière-du-Loup. Puis elle, quand elle était plus jeune, elle allait travailler au resto à ma mère, à l'Estaminet. Fait que, écoute, encore aujourd'hui, ils sont super proches, là. Ils se passent souvent. Fait que, dans le temps qu'elle était avec Brandon Pross, qui jouait à Montréal ces années-là, regarde, un autre poteau ici. Voilà. Que, les gars sont plugués. Brett sur Instagram. Ouais. Puis, aux aguets. Mais c'est ça, on avait été à Montréal voir une game. Puis on avait pu rencontrer Piqué par le fait même. Fait que c'est ça. J'en ai même une autre petite photo ici. Hey, boy, ça fait longtemps. J'étais jeune là-dessus. Mais ouais, c'est ça. C'est ça, elle venait voir pour faire du pouce là-dessus. Dans le fond, elle venait voir tes games aussi quand tu jouais à Victo. C'est arrivé une fois qu'ils sont venus, elle, puis Brandon à Victo. Je me rappelle bien vers la fin de la saison, là, quand il était à Montréal. Fait que c'était cool. Ce genre de truc que les coéquipiers te lâchent des petits calls du fait que, surtout dans ce temps-là, tu sais, c'était quand même un peu jet set avec Brandon Prost, j'imagine. Ouais, tu dois te faire picosser un peu à cause de ça. Ouais, ça c'est sûr. Puis, non, il était. Je ne me rappelle plus s'il était venu dans. Je sais qu'il était venu pas dans la chambre, il était venu en bas juste voir les boys avant game. Fait que, c'était cool. Vraiment. Mm-hmm. J'ai une autre photo ici, puis je trouvais ça drôle parce que c'était les clés de ton condo que tu venais d'acheter à 17 ans quand tu allais au Nouveau-Brunswick. Fait que tu t'es acheté un condo à 17 ans? Ben dans le fond, ça c'était quand j'avais... Mais pas à 17 ans, à 20 ans, excuse. À 20 ans, ouais, 21. Ouais. Je pense en 2017, ouais. À 20 ans. Ouais. Exact. Dans le fond, j'étais chanceux, tu sais, mais... Mes parents m'ont aidé, là. J'ai pas acheté le condo à moi seul, là. Okay. Ils m'ont fronté pour acheter le condo, puis j'ai remboursé par la suite à la vente, là, mais c'est ça. Fait que j'ai eu un coloc qui restait avec moi là-bas, puis c'est ça, quand on a fini mes quatre saisons, on a vendu le condo, fait que c'est ça. T'as pas pu mettre le cash down sur le condo avec ton per diem des tics de Victoriaville que t'as. Non, je te dis non, pas en tout. Puis même que quand j'ai commencé, je pense à 16 ans, je pense que c'était comme 30$ par semaine ou 37 là, par semaine. Quelque chose comme ça. Là. Ça a monté par la suite. Là, après ça, il y a eu le règlement qui était comme 60 le minimum. Là. Mm-hmm. Mais quand j'ai commencé, c'était des peanuts, comme on dit. Ouais. Ouais. D'autres photos ici, j'en ai trois dans le fond, là, c'est un peu sur tes implications là, dans la communauté. Ici avec les TIG, il y avait ici pour la fondation Autonomie à bout de bras, donc avec Christophe ici, il y a eu un reportage à TVA Sport également là-dessus. Ouais, exact. Christo. Super, super, super gars. Écoute, lui était atteint de dystrophie musculaire. Puis moi, on m'avait un peu approché pour l'épauler. Puis tu sais, on y avait offert des billets de saison. Puis quand il était toujours le bienvenu dans la chambre, là, évidemment, avec les gars. Puis on l'a pris un peu sur notre aile. Puis
C'était vraiment. On avait été chez lui aussi quelques fois pour tu sais, on jouait aux jeux vidéo puis juste parler. Là, fait que c'était le fun de m'impliquer là-dedans. Ouais, exact. C'était vraiment. Ça a toujours été. Toujours fait plaisir de m'impliquer là, ça. Puis. Toutes les gens photo, là, dans la une photo ici aussi, c'est. Tournoi Kid Group Grand Partage. Oui, c'est gros tournoi estival, en fait, à chaque été, vers la fin juillet. C'est un tournoi, trois compétitions, compétition, intermédiaire, puis participation. Fait que il y a plusieurs équipes qui sont là. Fait que c'est quand même la vie à Rivière-du-Loup. C'est pour donner des fonds à un organisme aussi? Pas vraiment. C'est vraiment un tournoi de hockey. Ben, je ne sais pas si. Ben, c'est Kevin qui est en arrière de ça. Je ne sais pas s'ils remettent des fonds à un organisme, là, mais il y a plusieurs joueurs. Il y a plusieurs joueurs pros qui sont venus jouer ici. Là, puis Alex Bézier qui vient pas loin d'ici non plus, de Saint-Éloi. Là, fait que, depuis avec les 3L, là, depuis le début de l'année, est-ce que tu as eu à quelques moments là, des implications? Implications, j'essaie de penser. Jouer avec le hockey mineur, allo hockey mineur ou. À date, écoute, ça ne vient pas à l'esprit. La promotion du match rose, peut-être? Oui, tu sais, on a eu des entraînements au gym avec du monde. C'était ouvert au public. Fait moi et Mike Ward, on a fait chacun une séance là, d'entraînement. Puis on est allé motiver les troupes dans le gym. Puis on a ramassé quand même un beau montant, là, je pense 30 000, si je ne me trompe pas. Puis, tandis que l'année passée, c'était quelque chose comme 10 000. Là, fait que, non, c'était le record. Puis c'était le 2000 personnes en saison régulière. Rivière-du-Loup, ça faisait longtemps qu'il y avait eu ça. Ouais, ça faisait longtemps que ça avait pas, qu'il avait pas atteint ce chiffre-là en saison. Fait que c'est le fun. Puis c'est juste le taux d'assistance, je pense, a augmenté. Bien, pas juste à Rivière-du-Loup, là, partout dans la Ligue, ça se fait-tu, les gars? Ouais, partout dans la Ligue, ça a augmenté. Ouais. Mais Rivière-du-Loup, présentement, là, en moyenne, depuis le début de l'année, là, vous êtes à 1000, un petit affaire plus que 1400. Okay. Ça, c'est. Je ne sais pas si. Je sais que ça fait. C'est au moins depuis comme une dizaine d'années là, qu'il n'y a pas eu ça. Je ne sais pas si c'est comme la plus haute moyenne. Puis j'imagine en plus, c'est plus la saison avance, plus ça augmente. Là. Surtout que ça va quand même bien là, ces temps-ci, vos performances. Fait que, j'imagine en série, ça risque d'être plus que ça aussi. Fait que, Ouais, sûrement. C'est surtout, bon. Comme tu dis, tu peux réussir à aller chercher des victoires à la maison. Ben, les fans ils ont plus le goût de venir dans ce temps-là. Fait que, en espérant que ça continue de ce côté-là. Je pense qu'au début de l'année, c'était la deuxième équipe après Sorel qui avait la plus grosse augmentation. Ouais. C'était après c'était après quoi? Mais là, vous êtes l'équipe présentement avec la GG les stats. Vous êtes l'équipe avec la plus grosse augmentation depuis le début de la saison. Oui, à un moment donné, c'était Sorel, ça a baissé un petit peu, même si les dernières semaines, Sorel, ça a moins bien été. Il y a quand même une augmentation par rapport à l'année dernière. C'est quand même bien. Mais oui, sinon, c'est Rivière-du-Loup, la deuxième, c'est Laval, la deuxième plus grosse augmentation. Raymond Duval dit 25%. C'est ça, Dave? Laval? Non, pour Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup, c'est 32% d'augmentation. La moyenne, là, l'année dernière, là, c'était 1062 par game. Là, on est à 1400. Quand même. Fait que c'est quand même assez impressionnant là, comme turnaround, mais c'est. C'est grâce à des joueurs locaux talentueux. L'équipe marketing a quand même fait beaucoup de promotions tu sais, dans la saison morte là, sur Facebook et tout ça. Fait que je leur lève mon chapeau. Puis c'est le fun d'avoir ça, des chiffres de même, d'augmenter. Fait que, tant mieux.
On a Denis Nadeau là, qui nous dit que oui, c'était pour une fondation, là, le tournoi Kid Group Grand Portage. Donc, okay. Complément d'information. Fait que c'était tout pour les petites photos pour moi. Oui, parfait. Bon, fait qu'on va y aller avec le petit quiz. Donc, quand même, là, des réponses style en rafale. Fait que première chose qui vient en tête, qu'on va commencer. Ton premier souvenir de hockey, la première fois, mettons, que tu te rappelles là, avoir patiné ou joué avec un bâton? Je te dirais, avec mon grand-père, c'est pas mal lui qui m'a appris à patiner. Fait que. Ouais, je te dirais vraiment ce souvenir-là avec lui et mon frère plus vieux là, de jouer au hockey. C'est ça mes souvenirs. Parfait. Y a-t-il une raison particulière pourquoi tu portes ton numéro? Je sais que c'est 88 là, avec Rivière-du-Loup, mais est-ce que c'est ton numéro fétiche? Puis sinon, t'en as un et pourquoi? Pas vraiment. Écoute, je suis arrivé avec toi et j'ai eu le 8. Fait que j'ai gardé ça. Puis sinon, c'est sûr, cette année, il n'était pas dispo quand je suis arrivé. Fait que j'ai pris 88, mais je pense que je vais garder ça. J'aime quand même ça. Parfait. Ton idole au hockey? J'ai toujours aimé Chris Letang. Ça a toujours été un de mes idoles ouais, à Pittsburgh, là, mon équipe préférée quand j'étais tout petit. Sinon, c'est sûr, ben, un gars comme Crosby. C'est quelqu'un que j'appréciais énormément là, en tant que joueur, puis comme acquis aussi. Donc, parfait. Est-ce que tu aurais un athlète préféré en dehors du hockey? En dehors du hockey, oui. Je te dirais. Vite de même. Tu veux, là. Ben, Lionel Messi, écoute. Avec tout ce qu'il a accompli, puis la dernière Coupe du Monde, c'est un des rares. Fait que je te dirais, ouais, je vais dire lui. Et tu achètes ton billet pour le FC Montréal. au prix qu'ils sont, je ne sais pas si on rend ça comment, mais ça serait quelque chose d'aller voir, mais les billets sont même trop chers. 550 qui étaient. Ça, c'est les moins chers, je pense, c'est ouais. Ouais. Ah, ben, tu peux toujours faire une passe de cash aussi. Ouais, t'en achètes un, puis ouais. Sauf s'il se blesse la game avant. Le prix ouais, moment, c'est ça, exact. Ouais. Sinon, est-ce que tu as une routine d'avant-match ou des petites superstitions? Routine, pas vraiment. Ben, tu sais, je suis un gars quand même timé, là, fait, je me fie quand même plus au temps pour faire mes choses, là, mettons, 15 minutes avant le warm-up, ben, je vais commencer à attacher mes patins, par exemple. Chose comme ça, là, mais rien de trop grave. Là. C'est bon. À Rivière-du-Loup, ton coéquipier que tu trouverais le plus drôle ou celui qui est le plus drôle? Ah, c'est facile, ça. C'est Félix Boivin à 100 000 à l'heure. Il est tellement drôle, ce gars-là. Là. Même dans une chambre, puis même sur le banc, là, durant un game, il clash des affaires des fois, puis t'sais, on se regarde tout sur le banc, on est tous crampés. Là. C'était un gars qui amène beaucoup dans une chambre. Puis, il relâche plus l'ambiance des fois quand c'est tendu. Là. Ouais, il est ben funny, bon vieux Félix. Bon. Le meilleur joueur avec qui tu as déjà joué dans ta carrière, selon toi? Avec qui j'ai joué, je te dirais, talent brut, je te dirais un Samuel Blais. Pour vrai, là, les mains de ce gars-là, puis vraiment un talent exceptionnel, là. Habilité individuelle. Là. Ouais. Parfait. Depuis que tu es arrivé, ton meilleur souvenir dans la Ligue nord-américaine jusqu'à présent? Jusqu'à présent, je te dirais, le match en rose, c'était quelque chose, ça, pour vrai, là, avec la foule là, qu'on a eue ce match-là, puis il y a une belle victoire. Fait que jusqu'à maintenant, je te dis, c'est ça le plus beau souvenir. On espère en avoir d'autres bientôt. Oui, c'est bon. Ton repas préféré? J'ai un gars qui aime la viande quand même. Fait qu'un bon vieux steak, là, c'est dur à battre pour moi.
Parfait. Puis un petit extra pour celle-là. Ton repas préféré quand tu vas manger à l'estaminet? Oh! J'étais un gars qui est quand même qui mange tout le temps les mêmes affaires, hein, mais à l'estam, il y a tellement des bonnes affaires. Si je veux être cochon, je te dirais un bon vieux burger full estam. Une bonne portion là, avec des frites et salade, là, c'est ça la coche. C'est bon. Donc, mais les déjeuners aussi. Souvent, ouais. On va là les fins de semaine, exemple, qu'on joue le vendredi puis le samedi matin, on va tout le temps déjeuner là. C'est bon. Ton repas, je viens de dire ça. Ton film préféré ou série télé préférée? Moi, j'ai vraiment aimé la série Avatar, là, le premier ou le deuxième qui a sorti. Là. Je sais qu'ils vont en sortir d'autres dans les prochaines années. Ouais. J'ai vraiment aimé ça. Puis, série que j'ai aimé. Narcos, j'avais aimé ça. Des séries un peu de cartel. ouais, c'est quelque chose. Ouais. J'ai recommencé à écouter Queen of the South. Que j'avais déjà commencé, mais je n'avais pas vraiment accroché. Fait que, bon, Stéphanie qui dit, c'est vrai que les hamburgers. Ouais. Toujours à battre, même, il a déjà ouais, été excellent. Mais ouais, pour revenir aux séries, c'est ça. Des séries un peu de cartel. Puis là, il y a la nouvelle saison d'F1 qui est sortie. J'écoute ça. Jack Survive, ouais. Ouais, exact, exact. La nouvelle est sortie, fait que j'écoute ça. C'est bon. Si tu peux aller voir un artiste en show, ça serait qui? Ça c'est dur pareil là, parce que j'aime quand même pas mal plein de sortes de musique là. J'aime l'électro puis du rock, mais si j'avais un artiste à aller voir en show, de même je vais dire un Metallica ou AC/DC, j'ai jamais vu, j'aimerais ça assister à ça ou même Rammstein, de quoi qui cogne en masse. c'est pas pire. Parfait. Puis pour terminer, en terminant, un petit mot pour les fans des 3L. Là. Ça va bien vos affaires, mais là, il ne reste plus beaucoup de matchs. Là. Je vous battais pour avoir l'avantage de la glace là, en première ronde. Gros match en fin de semaine, là, vendredi contre les Marquis à la maison. Donc, c'était un petit mot là, pour les fans, là, pour la saison en général, puis en vue du match de vendredi. Ouais, ben, tu sais, les chiffres parlent de l'autre main, mais merci pour le support, puis d'être là à nous supporter, là, même si au début, écoute, on n'a pas vraiment délivré à la maison. Là, les performances n'étaient pas là pantoute, mais ils ont resté là pareil, puis là, heureusement que ça va bien. Fait que, en espérant qu'ils soient là et qu'ils continuent à nous supporter pour la fin de la saison puis les séries. Fait que, merci à vous autres. Bien sûr. Il y avait des petites questions dans le chat avant de discuter. Stéphane Bailey, il voulait savoir dans la chambre au Danemark, ça parlait quelle langue? C'était en anglais, j'imagine. Oui, bien. Ce qu'ils faisaient en hockey, c'était en anglais. Nous, notre coach c'était un Finlandais, fait que il n'avait pas le choix de parler vraiment anglais parce que il ne parlait pas vraiment de danois. Malgré que ça fait une couple d'années qu'il était là. Mais souvent, écoute, nous autres, on était minoritaires, là, les imports, là, fait que ça parlait danois pas mal, mais. J'étais chanceux, moi j'avais un gars qui venait de l'Ontario, puis il parlait français. Fait que nous, on pouvait se parler. Ben, on avait un Québécois aussi, Jonathan Racine, qui était là. Fait que on était trois gars qui parlaient français. Fait que ça, c'était nice. Mais ouais, on était quand même minoritaires là, dans la chambre. J'avais marqué un petit message aussi d'Alexandre Goulet qui avait écrit « Te rappelles-tu de ta soirée? » Mais je ne sais pas trop faire la référence à quoi. Ah, moi, je sais c'est laquelle. Ah ouais? Quand on était à UNB, justement, visiter, là, on avait arrivé là la journée, puis le lendemain, on en repartait, mais ouf. Soirée bien arrosée, mettons, là-bas, là, puis je te dirais que le lendemain, en avion, ça ne tentait pas trop de jaser avec
avec les autres qui venaient nous apporter. Mais en fait, c'était deux ouais. joueurs. On mettait nos lunettes et on dormait quasiment. J'imagine que vous n'avez pas trop payé votre alcool cette soirée-là. Non, c'est ça. Puis écoute, je n'aurais pas à dire non si je voulais, mais écoute, c'est ça. Il y a eu pas mal de boissons cette soirée-là. Yes. Ça arrive. On a ta mère, Mylène Ouellette, qui écrit: je vous paye l'apéro à votre prochaine visite à l'Estam. Bienvenue et bravo pour l'entrevue. Donc, la prochaine visite, je pense, Dave, on va passer là, par la restaurant. Ouais. Peut-être un petit hamburger aussi, là, full stand, ou un déjeuner avant de partir. C'est clair, c'est clair. Pour la prochaine fois qu'on va voir l'étoile. Ah oui, vous n'avez pas le choix. Avant aussi, je me serais arrangé pour que tu viennes plus tôt dans la saison. Sorel va jouer à Rivière-du-Loup. Ah, c'est ça. C'est à la fin de l'année. Peut-être en série, on ne sait jamais. Ouais. Yes, sir. Ben, merci, Tristan, de ta venue sur le balado. Puis on va te souhaiter une bonne fin de saison à toi et au 3L. Ben, merci beaucoup, les boys. Puis en espérant qu'on puisse faire un bout de chemin en série. Fait que merci à vous autres, puis écoute, continuez de faire fleurir cette belle ligue-là. Bien sûr, merci. Puis ton frère nous écrit aussi, puis moi je vais vous faire un deal pour une voiture, donc on est prêt à bien nous accueillir. Là, il a dit. Ah ouais, genre, on va vous accueillir, les bras ouverts, les boys. Bon, merci Tristan, bonne soirée. Merci les boys. Beaucoup, salut. OK, Tristan Pomerleau des 3L de Rivière-du-Loup. Yes. Toujours très sympathique. Ben, il a l'air, je dis toujours comme si je le connaissais depuis, mais en tout cas, dans les entrevues, puis ça, il a tout le temps l'air sympathique. Donc, c'était le cas encore une fois ce soir. Yes, et Tristan là, qui fait partie intégrante de la reconstruction chez les 3L. Là. Comme tu l'as ouais, dit, je pense que... oui, ben tu sais, un des problèmes des 3L dans les dernières années, c'était de garder les avances, puis de pas laisser... d'avoir une meilleure défensive, là, on se cachera pas. Mais c'est sûr que d'avoir amené un Crevier Morin l'année dernière, puis là, cette année, on amène un Pomerleau, un Boivin, puis un Coder Gagnon. Je pense que l'état-major des 3L ont réussi leur job de rebâtir cette défensive-là, puis ça part avec un gars comme Tristan Pomerleau, c'est sûr. C'est une équipe aussi qui a un bon duo de gardiens. Là. Je pense que maintenant, cette année, toutes les équipes ont un bon duo, là, mais... Quand même, mon petit côté Cazenave, qui est un très bon duo. On a eu des étoiles aussi de la semaine à quelques reprises cette saison. Mm-hmm. Oui, exact. Ouais, Jeff Laplante qui dit ouais, Samuel Thibault aussi, j'ai regardé Thibault, mais ouais, il y avait un peu trop de il y avait du trafic à ligne bleue à Rivière-du-Loup. Je pense qu'il fallait prendre une décision. Ouais. Il y aurait eu des joueurs qui auraient peut-être été malheureux là, d'ici la fin de la saison parce qu'on avait tellement de bons défenseurs. On peut juste en habiller 6 ou 7 par game, Max. Est-ce qu'on y va avec notre troisième période, Dave? Yes. Troisième période, l'analyse. Donc, 6 ouais. matchs, dernier week-end. On va faire notre mieux là, pour essayer de résumer ça de manière concise. Mais je pense que du côté de... Bon, on va commencer avec les matchs des 3L. Donc, c'était un aller-retour 3L pétrolier. Du côté des 3L, je dirais mission accomplie. Je pense que de la façon dont les pétroliers jouaient, on voulait se prouver qu'on est là pour rivaliser avec la meilleure équipe de la Ligue. Défaite à 8 secondes de la fin du match à Laval. On réussit à gagner à la maison. Je pense qu'on a prouvé là, qu'on est capable de tenir tête à une équipe comme Laval. À Laval aussi, c'est sûr que c'est un match. Ce n'est pas des matchs faciles, des matchs qui sont un peu des festivals offensifs que comme
On dirait que, tu sais, quand il y a comme 3, 4, 5 buts qui arrivent coup sur coup, comme les Lions, les défensifs, des fois, ça ne peut plus trop donner de la tête, puis c'est dur de se ressaisir. Fait que, tu sais, ce n'est pas des matchs faciles, mais on a quand même failli amener ça en prolongation. C'est Nathan Larose qui a marqué avec 8 secondes à faire au match. Mais du côté des Verdulous, je pense que c'est mission accomplie. Du côté de Laval, c'est sûr que la Ligue est forte, là. On ne gagnera pas tous les matchs 6-2 à tous les semaines. Là. Fait que, je pense que On était sur une séquence de 7 victoires quand même, ouais, du côté des pétroliers. Là. La dernière défaite remontait là, contre les Éperviers. La défaite contre les Éperviers, c'était quand même le troisième gardien aussi qui était devant les filets. Fait que c'est un petit bémol. Le 11 janvier. Exact. Puis on peut dire au moins de Laval qu'on n'a encore pas perdu en temps réglementaire depuis ce temps-là. Donc, non, ça va bien du côté des pétroliers. Puis c'est un peu ça qui démontre aussi parce que la fin de semaine d'avant contre Saint-Georges, il n'avait pas joué un gros match non plus, mais il avait quand même réussi à gagner ce match-là. Tu sais, contre Rivière-du-Loup, ça n'a pas été des performances dominantes. On n'a pas mal joué, mais ils ont quand même réussi à les gagner ou au moins à rendre ça en overtime puis à aller chercher un point sur la route. Fait que, du côté de Laval, c'est mission accomplie. Puis c'est tellement mission accomplie que jeudi soir, bien, si on gagne contre Thetford Mines, on s'assure du championnat de la saison régulière à Laval déjà, là, avec quand même 4-5 matchs restants à jouer à la saison. Donc, du côté de Laval, c'est un peu mission accomplie. Puis je pense qu'on va apprécier aussi, on en parlait avec Brandon Hamelin la semaine dernière, on va apprécier aussi le fait qu'en gagnant le championnat cette saison, on va quand même pouvoir commencer les séries avec notre momentum et pas avoir à attendre 2-3 semaines pour commencer à jouer comme l'année dernière. Fait que ça risque de les aider. Si on a une victoire, prochain match, jeudi, ils s'assurent de championnat. Puis en même temps, les chances que Laval perde tout leur match, c'est à la fin de la saison, puis ils n'en gagnent pas une ou deux, je dirais pas que c'est une formalité, parce qu'il faut le faire quand même, là, mais mettons qu'on est en bonne position pour s'assurer du championnat la saison régulière à Laval. Ensuite de ça, les Marquis là, qui recevaient l'Assurantia, je pense que du côté des Marquis, le match s'est joué en deuxième période. Là, on a marqué 3 buts en l'espace de 5 minutes. Je pense que ça a un petit peu mis le match hors de portée. L'Assurantia a quand même ramené ça 4-3. Ça a quand même été serré après ça, mais je pense que du côté des Marquis, là, on a joué un bon match. C'est quand même un bon match à la maison. Il y a un joueur que je veux parler aussi, là, il y a Marc-André Tourigny, évidemment. Il y a un joueur que je veux parler aussi, mais j'en parlais quand on va parler du match contre Sorel, mais qui vraiment se démarque à Jonquière. Puis, du côté de Thetford Mines, moi, on s'est repris le lendemain là, à la maison contre Saint-Georges, mais on jongle encore un peu avec les alignements du côté de Thetford Mines. Je regarde ça, puis on n'a pas encore peut-être la constance qu'on va vouloir avoir en série, parce qu'en série, tu veux quand même avoir pas mal, toujours les mêmes alignements, à moins quand il y a des blessure, suspension, c'est tout ça, puis il faut que tu changes les gars, mais on a quand même des éléments importants qui ne sont pas là à tous les matchs. Fait que, il reste 3 fins de semaine là, pour l'Assurantia, mais ils commencent, ils sont quand même là, égalité à deuxième place, mais je trouve que du côté de Thetford Mines, on jongle encore un petit peu avec les alignements, peut-être que ça pourrait nous nuire si on n'a pas des alignements constants là, d'ici la fin de la saison. Ça reste à voir. Puis, sinon, le match à Saint-Georges, 7e match entre Sorel puis Saint-Georges depuis le début de la saison, 6e match en prolongation, c'est un peu fou. Du côté de Sorel, le positif là-dedans, c'est que avec tous les déboires qu'on connaît, la défensive c'est vraiment ressaisie. Philippe Desrosiers a gaulé de la façon dont il gaulait au début de la saison quand il était de loin le meilleur gardien de la Ligue. Simon Danny Pépin est revenu dans l'alignement. Là, il avait manqué là, quelques matchs. Ça aussi, ça l'aide à raffermer la défensive. Puis, le positif aussi, c'est qu'on perdait par 2 buts en 3e période. Puis, on a réussi à égaliser ça puis amener ça en prolongation. Je pense que pour une équipe qui se cherche puis qui a un petit peu qui manque un peu de confiance, je pense que c'est le genre de performance là, qui aide à ramener la confiance. Puis que dire des frères Malouin, Danick qui lâche les gants contre André Thibault quand l'équipe perd 2-0 pour donner du momentum. Jérémy qui marque les deux buts. Les deux buts.
je lève mon chapeau. Là, c'est vraiment, selon moi, depuis la saison, les frères Marloin, c'est vraiment le cœur et l'âme des éperviers, là, je trouve. Là. Je pense que même quand ça allait un peu plus mal, c'est pas les joueurs les plus talentueux, mais ils se donnent quand même. Ils donnent tout ce qu'ils ont là, quand même, pratiquement là, tous les matchs. Mm-hmm. Donc, je voulais nommer ça. Ensuite de ça, je voulais parler du match entre les Marquis et les Éperviers de samedi. Du côté de Sorel, c'était un match un peu frustrant parce que pour une des rares fois dans les dernières semaines, on a été dominant à la maison. 35-22 les tirs au but. C'est pas mal. Ça donne l'allure du match. Là. Sorel a quand même dominé ce match-là. Par contre, quand on en parlait dans les étoiles la semaine, quand un gardien comme Philippe Cadorette est capable de sortir un lapin de son chapeau là, puis sortir une grosse game comme ça. Donc, Jonquière ont pu bénéficier de leur gardien. Puis Vincent Drelais là, qui marque le but de la victoire. Du côté de Sorel, c'est frustrant parce qu'on s'est fait refuser un but en deuxième période sur un hors-jeu. Disons qu'on est allé à la reprise. Là. Ce qui est fâchant aussi là-dedans, c'est que tu sais, pour les... je ne sais pas si on l'a annoncé, mais les fans, il y avait un petit peu de confusion au niveau des fans de pourquoi. Parce que c'était quand même un hors-jeu qui datait. Là, ça faisait comme un 15 secondes. 20... Ben, en fait, on a remis 22 secondes au cadran après le but. Fait que ça faisait 22 secondes que les éperviers étaient dans le territoire là, des Marquis. Fait que, du côté des fans, il y en a que après le match, je parlais puis ils savaient. Peut-être, je ne sais pas si c'est parce que l'annonceur ne l'a pas annoncé, mais on ne savait pas pourquoi le but avait été refusé. Fait que ça, c'est un peu frustrant quand t'es un fan. C'est la séquence aussi, pour l'avoir revu, c'est quand même très serré. Puis le problème que... Puis moi, personnellement, ce règlement-là, je le comprends, mais c'est un règlement qui m'agace un peu parce que, admettons que, tu sais, Charles Tremblay était hors-jeu, mais admettons qu'au lieu d'un hors-jeu, sur la même séquence, il atteint un joueur des Marquis au visage avec son bâton, puis que l'arbitre manque le corps, ça peut arriver des fois, là, l'erreur est humaine, puis que les éperviers marquent, ben ce but-là, il serait bon, puis on peut pas le reviser. Fait que, je trouve ça spécial que c'est la règle du hors-jeu, sur des centimètres, cela on peut le faire, mais d'autres trucs, on peut pas, quand c'est noir ou blanc également. Fait que, dans ma tête, c'est comme tout ou rien. Soit tu peux le faire pour tout, soit tu peux pas le faire pour aucun. Fait c'est pour ça que ce règlement-là, des fois, je le trouve un peu fatigant. Mais parlant du hors-jeu, il y a le joueur que je voulais mentionner là, du côté de Jonquière, c'est Yannick Liendeau. Je pense que c'est un joueur qui passe tellement sous le radar depuis le début de la saison. C'est un joueur qui est un petit peu le tu sais, on parlait de l'échange d'Annick Gauthier contre Joey Ratel. Là, c'était ça le gros échange. Il y avait Hubert Poulin aussi, mais personne ne parlait pas vraiment de Yannick Liendeau. Quand tu regardes les stats des joueurs depuis cet échange-là, le meilleur joueur de l'échange, c'est Yannick Liendeau. De tout cet échange-là, c'est lui qui a les meilleurs stats. C'est lui qui, je pense, a un point de plus que Danny Gauthier, puis il a plus de buts que Danny Gauthier aussi. Fait que statistiquement, c'est le meilleur joueur. Il joue sur le premier trio des Marquis avec Alexandre Picard et Philippe Paradis. C'est un trio qui va super bien par les temps qui courent. Il a marqué un super beau but vendredi. Puis le jeu qu'il a fait sur leur jeu... C'est un jeu très, très, très serré, leur jeu. Mais il était battu de vitesse par Charles Tremblay. Puis avec son bâton, des fois, on voit ça en défensive quand c'est une échappée ou un 2 contre 1, mais il a poussé Charles Tremblay avec son bâton dans le dos pour lui donner une petite poussée pour le faire mettre hors jeu. Puis c'est un jeu qui était tellement serré que je suis pas mal certain que c'est la petite fraction de plus qui a fait la différence quand les arbitres ont fait le review. Fait que vraiment, pour vrai... Je lève mon chapeau à Yannick Liendeau, puis je voulais en parler parce que c'est un joueur qui est quand même, je trouve, oublié. Parce que, justement, dans le gros échange, c'était comme le quatrième joueur de l'échange, souvent, que les gens parlaient. Mais ça s'avère être le meilleur joueur de l'échange. Ça s'avère être le... il joue sur le premier trio. Puis, il peut faire un peu... Il peut jouer un peu à toutes les sauces. Il peut être sur le... Les attaques à 5, des avantages, tout ça. Il a marqué un but... Il y a deux semaines, il a marqué un but en désavantage numérique contre Sorel aussi. Fait que peut-être point de vue des partisans, mais je sais que Bobby Barry l'avait quand même beaucoup vanté au début de la saison, qui était avec le Sorel. Oui, ben ça avait été leur choix de première ronde au dernier pêchage, mais je trouve que pour un joueur qui était un petit peu la quatrième pièce de l'échange, je voulais en parler parce que vraiment, il m'impressionne.
m'impressionne cette saison. Puis on dirait que plus la saison avance, plus qu'il prend qu'il prend sa place. Je voulais mentionner ça. Donc voilà, est-ce que tu avais des. Ça fait le tour pas mal de mes okay. analyses. J'avais vu là, que Chris Toffer du podcast Hockey Senior sans tabou avait écrit dans le chat un petit peu plus tôt, là, pendant qu'on débutait notre entrevue là, avec Tristan Pomerleau, que. Il va avoir samedi en enregistrement Patrick Bordeleau et Sébastien Laferrière. Donc, probablement au courant de la semaine prochaine, là, on va avoir sur leur plateforme là, leur prochain podcast. Et pour ceux qui restent, j'ai un petit quiz. J'ai eu le temps cette semaine. C'est un petit peu une pogne, fait que ceux qui vont comprendre un petit peu où ce que je veux en venir vont peut-être avoir une meilleure chance de répondre. Mais Tristan Pomerleau a été 3 ans capitaine des Tigres de Victoriaville. Il y a une personne qui est dans la Ligue en ce moment, toujours active, qui a déjà été capitaine des Tigres de Victoriaville également. Donc, qui est-ce? Qui est-il? Donc, c'est ça ma question. Un ancien capitaine des Tigres de Victoriaville. Mm-hmm. Un joueur toujours actif dans la Ligue présentement? Une personne toujours active dans la Ligue présentement. Tu peux pas dire un joueur, t'as dit une personne! Faut regarder du côté des entraîneurs. Jip Chabot a été capitaine à les Olympiques de Gatineau. Les Olympiques de Gatineau, ouais. Jérôme Gravel a joué à Victoriaville, c'est un bon guest, mais c'est pas lui. Mm-hmm. Jérôme Gravel également, petite parenthèse, là, comme dans les défenseurs recrues, s'il y en a un qui, je pense, qui connaît une très bonne saison recrue également, là, qui est un bon défenseur fiable, qu'on s'est trouvé un autre gars de la place en plus pour le à Jonquière. Là, Jérôme Gravel, c'est quand même c'est très bien adapté, je trouve, à la Ligue. C'est un guess, tu. C'est dur. Hein? Yann Gaudreau qui veut un indice. Un indice. Stéphane Bellet qui dit Gauthier. Daniel Gauthier. Ah, ben oui, donc bravo Stéphane. Donc, ouais, c'est Daniel Gauthier. J'imagine que tu voulais dire Daniel là, quand tu dis Gauthier, mais ouais, Daniel Gauthier, le coach des Capitaines de Laval, je pense en 90, vite comme ça, j'ai regardé tantôt, mais qui a déjà été capitaine des Tigres de Victoriaville. Fait que c'est moi qui ai donné comme cet indice-là un peu. Ouais. Exact, donc c'était ça la réponse. Joueur quelqu'un, toujours actif, pas un joueur. Là, j'ai assez de façon assez évidente. Ouais. Ouais, c'est ça. Là, c'est bon ça. Quand même. Yes, donc. Good. Ouais. Sinon, ça fait le tour. Qu'est-ce qu'on a à surveiller là, lors des prochains matchs? Ça commence ce jeudi? Oui, 5 matchs en fin de semaine. Un jeudi, 3 vendredis, un dimanche, à bien noter, à Sainte-Marie-de-Beauce. Puis, ouais, pas capitaine, Danick Agaro, oui, il a joué avec les Tigres de Victoriaville.
Gros match jeudi, Thetford-Laval. Si Laval gagne, on s'assure du championnat de la saison. Je pense que Thetford aussi, outre vouloir encore avoir une petite chance de pouvoir rejoindre Laval pour le championnat de la saison, ben, eux veulent probablement réussir à garder la deuxième place. Donc, gros match jeudi. Ensuite de ça, vendredi, Saint-Georges à Thetford. Donc, le dernier, je pense que c'est la dernière rencontre là, de la grosse rivalité cette saison, là, à moins que je me trompe, entre Saint-Georges et Thetford. Puis, ensuite de ça, les Pétroliers de Laval à Sorel. Donc, probablement là, une bonne foule à Sorel vendredi à prévoir. Tout le temps, beaucoup de fans de Laval qui descendent. Donc, ça risque d'être un bon match. Peut-être un preview de la première ronde. Qui sait, ça semble s'aligner comme ça aussi. Donc, à suivre. Les Marquis de Jonquière vont être à Rivière-du-Loup. Là, on en a parlé un petit peu avec Tristan Pomerleau. Et le match à Sainte-Marie de Beauce dimanche. Donc, à 13h, notez bien l'heure, entre les Pétroliers puis le Cool FM. Et au niveau des Pétroliers, c'est quand même à surveiller. Ça va être une grosse fin de semaine de 3 matchs en 4 jours. Donc, Daniel Gauthier, justement, qu'on vient de mentionner, va peut-être devoir jongler avec un peu avec les alignements. Je ne sais pas si tous les joueurs là, vont être libres ou vont jouer les 3 matchs. Ça va être intéressant de voir là, comment est-ce qu'on va naviguer à travers ce week-end-là. Ouais, c'est une grosse fin de semaine, 3 matchs. Oui. Mm-hmm. Donc, puis après ça, il va juste rester deux week-ends. Donc, il va juste rester là, 3 ou 4 matchs maximum par équipe là, après ce week-end-là. Fait que, ça commence à se dessiner tranquillement le portrait des séries. Exact. J'ai hâte de voir c'est quoi les match-ups. Comme je dis, là, c'est pas encore officiel, mais le match-up le plus probable à date, ça ressemble à être Laval-Sorel. J'ai hâte de voir pour la suite. Peut-être rappeler le format des séries là, pour les gens qui. Première ronde, toutes les équipes jouent 1 contre 6, 2 contre 5, 3 contre 4. Les 3 gagnants passent à la demi-finale. Les 2 équipes ayant le plus. Font terminer le plus haut classement qui ont été éliminés, s'affrontent dans une série repêchage 2-3 pour que la 4e équipe accède à la demi-finale. Ensuite de ça, demi-finale, finale. Donc, ça devrait nous porter à la mi-mai, là, au moins. En d'autres mots, si Laval prend Sorel Tracy et puis que le changement, le classement reste inchangé, plutôt. Mm-hmm. Ça veut dire que Sorel n'aurait pas la chance de pouvoir revenir dans les séries pour se qualifier. Exact. Fait que ça va être un défi supplémentaire. Donc, l'importance quand même si toutes les équipes font les séries, il y a quand même des enjeux là, qui sont importants avec le classement. Oui, puis vous dire, c'est pas officiel que Sorel finisse 6e, mais mettons qu'ils n'ont plus vraiment le droit à l'erreur. Donc, à suivre, ouais, exact. Donc, sur ce, merci à Tristan Pomerleau, notre invité, là, qui s'est prêté au jeu ce soir, a été très généreux. Merci à vous, les partisans là, qui ont été là encore une fois en grand nombre, partisans de la Ligue et les partisans des 3L. C'est une bonne émission. Puis, de plus en plus, là, on va avoir. De l'action à se mettre sous la dent, on va pouvoir se jaser un peu là-dessus. Je verrais ça peut-être. Je sais qu'on va faire une petite émission là, de avant-série, probablement avec des collaborateurs avant les séries. Mais je verrais ça un peu peut-être avoir d'ici la fin de la saison, le point de vue de quelques partisans, là, peut-être en fin de soirée, là, quand il n'est pas trop tard. On verra. Ouais, c'est ça. Sur ce, merci à vous et faites attention au retour à la maison. Au revoir.